Descente, freeride, enduro, tout est permis sur ce terrain de jeu incroyable. Les riders l'ont bien compris, certains viennent de très loin, attirés par ce spot unique. Oui, j'ai lu que c'était un des meilleurs bike-parks. La météo est super, les conditions géniales. Nous sommes venus rouler exprès. C'est le seul bike-park dans la région, quoi. Donc on préfère venir ici et c'est bien. Justement, il est comment alors ce bike-park ? Ouais, il est top, franchement. Ça va, les remontées sont rapides, les pistes sont bien, quelques sauts compliqués, mais ça va. Ce royaume du VTT est un espace privilégié, accessible à tous les niveaux. 9 pistes des bleus au noir sur 50 hectares. Objectif, promouvoir le vélo. Certains photographes professionnels viennent exprès réaliser leur shooting. Il était classé dans les 10 meilleurs bike parks au monde. Donc franchement, vu l'installation, les infrastructures, c'est vraiment bien d'avoir ça en France, d'autant plus que c'est une infrastructure privée. Du coup, ça permet vraiment d'avoir des choses qui permettent de répondre aux besoins des riders. Créé par des amoureux du VTT, en 6 ans, Evoparc a su se faire une place à part. Ici, la convivialité est de mise, notamment pendant les remontées. On a déjà un système qui est un peu plus ou moins unique, avec des remontées en camion qui sont, qu'on voit pas partout, qui fait une belle différence par rapport aux stations. Après, on essaye d'avoir des pistes le plus propres possible, ce que les gens apprécient aussi beaucoup. Adepte de vacances sportives en pleine nature, avec un frisson d'adrénaline, c'est l'endroit à ne surtout pas manquer.